Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est d'abord le contexte de raconter une période aussi austère que la dictature mussolinienne et d'y trouver ces deux personnages. Alors, le personnage de Gabriele que j'interprète, c'est pour moi, il représente une forme de courage parce qu'il est artiste et spirituel dans une politique où on interdit justement toute forme de réflexion autre que nationaliste. Et il a aussi le courage de son orientation sexuelle, qui est pour l'époque un vrai défi. Donc ça me touche parce qu'en plus, il représente aussi cette forme de pensée aujourd'hui qui nous est chère et qui était totalement interdite à cette époque et qui l'est encore dans certains pays. Ce qui m'a touchée chez Antonietta, donc elle est la représentation des femmes de l'époque, des femmes au foyer qui s'occupent des enfants, des tâches ménagères. Elle est aussi un culte et elle va rencontrer sur sa route un homme tout à fait raffiné qui va d'un coup l'éveiller à sa propre pensée, l'éveiller à ce qu'elle est, à son âme, donc dans une période aussi difficile. C'est comme une aparté un peu magique, un rêve. C'est comme un train qui vient dérailler, quoi. L'imprévu, l'inconnu, l'autre. Et c'est toute cette sensibilité-là qui m'a touchée, c'est de sortir un peu du côté conformé, conformiste. Et ça fait des êtres à part. Chacun dans leur monde, dans leur univers, elle avec le poids de cette famille et de ses six enfants, Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'elle est très entourée, mais plus personne ne la regarde. Et lui, il est très seul, il n'a plus personne à regarder. Et c'est ça, c'est à travers cette intersection qui se retrouve. Et en plus, à eux deux, ils représentent aujourd'hui tout le contraire de la xénophobie, c'est-à-dire qu'ils se savent différents, l'un et l'autre, et ils ont cette curiosité, cette soif de se découvrir et d'apprendre. Parce Alors que. lui, il est beaucoup plus au courant de ce qu'il est, et la notion de ce qu'il est, de ce qu'il représente, alors qu'elle, pas du tout. C'est lui qui va. Oui, non. Oui, non. Mais t'as raison sur, en tout cas, tel que c'est présenté, mais je crois que lui aussi se découvre grâce à elle. Ah Ouais. oui. Non? Oui, face à sa naïveté à elle, il y a une forme de pureté quelque part dans son ignorance. Qu'elle suive un peu le mouvement de la pensée générale, et lui vient l'extraire de ça. En tout cas, elle va réfléchir avec lui de tout ça et se rendre compte que finalement elle pense pas comme les autres et elle le regarde et elle aime tel qu'il est. Elle se demande d'ailleurs pourquoi il est autant haï et pourquoi on le regarde comme ça. Et même elle, à un moment, a une grande culpabilité d'avoir pensé comme les autres. Il va venir la toucher en plein cœur. Et puis surtout, ces deux-là, dans ce moment très triste de leur vie, dans leur solitude, ils vont, comme deux noyés, ils vont se tenir la main. Ils vont, dans ce monde de brutalité, vont s'apporter beaucoup de tendresse et d'un amour vrai. Je ne sais pas si toi t'as fait un peu plus de théâtre que moi récemment, mais je ne sais pas si son approche est particulière. En tout cas, j'aime bien l'idée qu'elle donne de la place à l'erreur et donc à la recherche. On s'étudie, on se jauge, on essaie, on se trompe. Et ça fait partie du processus de création. J'aime cette idée-là que rien ne soit arrêté et gravé. On est quand même à plus de 6 mois d'une représentation, donc c'est intéressant de prendre autant d'avance pour commencer déjà à se connaître, à s'apprendre, à trouver nos marques mutuellement et réciproquement, et surtout de créer ce lien, cette, comment dirais-je, Rencontre. ouais, mais.
y a quelque chose de l'ordre de la. Quelque chose qui est très épidermique entre les deux personnages. Et ça n'est pas comme ça, on a un claquement de doigts, ça prend du temps. Et on a besoin de s'apprendre avec ce que nous sommes, avec nos principales caractéristiques et de s'aimer comme ça surtout. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande liberté chez Lilo. On passe pas par le résultat, on passe par la recherche. C'est comme un grand laboratoire et tout est possible. Et elle nous laisse là vivre dans cette grande liberté et elle vient puiser là-dedans les choses qui lui. J'ai l'impression hein, qu'elle va aller prendre le meilleur de ce qu'on est en train de faire et puis elle va trier pour nous. Mais elle nous laisse vivre, elle nous laisse à la fois nous permettre de rencontrer le personnage, et à la fois intellectuellement et aussi physiquement. Il y a une grande liberté physique. Elle ne nous enferme pas dans un cadre avec justement des techniques théâtrales et tout ça. Et je trouve que ça rapproche beaucoup du cinéma, pour le coup. J'ai pas l'impression de faire du théâtre. Elle va chercher la vie, Lilo. L'énergie, la vie. C'est le mot que je cherchais, en fait, il y a un rapport organique à la mise en scène. Ouais. Parce que les séances commencent déjà par un travail sur le corps, ce qu'on fait très peu au cinéma, voire pas du tout. On est souvent coupé hein, au cinéma, on est très de tête et pas, c'est vrai, pas beaucoup dans le. Et apprendre à jouer avec son corps tout entier, et surtout à se situer dans l'espace, tout ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a totalement occulté dans le travail avec la caméra. Donc ça c'est très enrichissant. Alors le théâtre c'est tellement difficile parce que je trouve que c'est compliqué d'être touché au théâtre comme au cinéma, c'est plus rare. Et donc quand je vais au théâtre, je vais vraiment chercher des pièces où je vais pas. C'est pas comme au cinéma où on peut aller tout voir au théâtre, c'est pas pareil. Il y a une sorte de pacte comme ça quand on rentre dans la salle, on sait qu'on va pas en sortir, donc il faut bien choisir, j'ai envie de dire, son rendez-vous amoureux. Non, mais c'est vrai. Donc, je sais pas, mais moi je suis plus difficile. Ouais, moi je suis plus difficile au théâtre et j'ai un peu du mal aussi quand c'est théâtral. Mais c'est le paradoxe, c'est qu'on a devant nous on appelle ça communément du spectacle vivant, donc ça devrait être beaucoup plus fort que la toile. Et en réalité, on est des spectateurs au théâtre beaucoup plus exigeants. Et c'est vrai que la maladresse ou l'erreur, elle est beaucoup moins. On l'autorise beaucoup moins. Mais quand c'est formidable, c'est ça très transporte, fort. Ça bouleverse. Et c'est ce qu'on cherche. Et on trouve. Parfois.